Bonjour, cher internaute. Ben voilà, je voulais passer un petit message parce que j'ai acheté un tour au mois de février à Touramito. Un petit tour de précision. Il coûte quand même 600 euros. Et je l'ai acheté chez le jeune à Soumaï. Donc je vais chercher le tour, je crois, de chez moi, 3 semaines après, ou même un mois après. Il me téléphone de quoi je dois le ramener parce qu'il y a un problème avec le mot de. Ah oui, je m'étais jamais servi du tour, jamais servi. Il était tout nouveau de la boîte. Elle n'est pas craquée, rien du tout. Elle soit je la porte. Ma mère la porte. Et quelle ne fut pas ma surprise quand mon téléphone pour venir le chercher. Ma mère va chercher, elle me le rapporte. La boîte trouée, le chariot, il y a du jus dedans, plein de copeaux partout, de l'huile. Je sais que ce n'est pas le mien. Je vais à la quincaillerie, je leur dis. Et je suis un mauvais, il faut passer pour un mauvais, je dis, ouais, ben le vieux qui s'occupe du vieux, le jeune, le père. Ouais, c'est le vôtre, il y a un numéro de série, etc. Et ici maintenant, avec le chariot qui a du jus dedans, je rapporte. Comme je l'ai dit, il me dit, oui, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. Ça parce que j'ai acheté quelque chose. Puis il me dit, oh, c'est rien à faire. Il faut savoir que je suis sous garantie 2 ans. Et pour moi, c'est des voleurs, des charlatans. Il a intérêt. Que tout soit réparé, autrement je fais ta mauvaise pub. Je fais ta mauvaise pub. Comme il le mérite. Et eux, ils croient qu'il faut plus sortir des liasses comme ça, bien sans rien dire. La dernière fois que j'y étais, il me regardait l'homme comme si j'étais mauvais. Il me vole et je dois avoir le sourire. Non, non, non. Il y a une mauvaise pub, puis je vais en avoir. Elle est à la suite, elle verra bien quand j'irai rechercher. À plus.